Quand le Royaume-Uni célèbre sa reine, c'est aussi à lui-même qu'il rend hommage. Le jubilé est une page de l'histoire du pays. Élisabeth II, cœur de la nation, un repère qui rassemble les Britanniques. Dimanche, au moins 85 000 pique-niques et fêtes entre voisins seront organisées, comme dans ce quartier de l'Est de Londres. Ici, les habitants ont beaucoup à faire. Dans leur rue, 300 convives attendus, alors les préparatifs sont studieux. L'organisation est prise très au sérieux. Un comité répartit les tâches. Cette décoratrice a été chargée de la confection des fanions. J'ai fait 150 mètres pour l'instant. Ça fait 2 mois que je les couds, dès que j'ai un peu le temps. Quand mes enfants me demandent « Tu peux venir jouer avec nous ?» Je leur dis « Non, maman est occupée. » En plus du repas, ils organisent une compétition de chapeaux et un concours de gâteaux. On a même acheté des rubans pour les gagnants. Il faut vraiment que ce soit un grand jour. Les habitants ont aussi créé ces mugs en l'honneur de la reine, avec le nom de leur rue. L'important, c'est aussi de se créer des souvenirs. C'est super de se rassembler avec les voisins pour célébrer cet exploit d'Elisabeth II. 70 ans de métier, waouh! Elle nous rassemble tous, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. La monarchie représente le Royaume-Uni, mais Elisabeth II, c'est nous qu'elle représente. On a grandi avec elle. Je me souviens encore quand elle a été couronnée, j'avais 7 ans à l'époque. J'ai passé toutes ces années avec elle, je l'ai vue grandir aussi. Dans quelques jours, voilà à quoi ressemblera cette rue, décorée et animée, comme ici au Jubilé de Diamant en 2012. Ces pique-niques sont une tradition à travers le Royaume-Uni, depuis le Jubilé d'argent d'Elisabeth II, 25 ans de règne, en 1977. Mais certains n'attendent pas les jubilés pour clamer leur amour pour la reine, comme Margaret Tyler, certainement la plus grande fan d'Elisabeth II. Oh, hello! Bienvenue chez moi. Entrez, je vais vous faire visiter. La reine prend beaucoup, beaucoup de place dans sa vie et surtout dans sa maison. Toutes les pièces ici sont dédiées à la souveraine, classées par thème. Ici, c'est ma pièce avec tous les souvenirs des jubilés. J'adore. Dès qu'ils sortent des nouveaux produits, je ne peux pas attendre pour les acheter. Celui-là, je l'ai acheté il y a quelques mois à la boutique officielle. C'est magnifique, vous ne trouvez pas ? 13 000 objets au total, des photos, de la vaisselle, des figurines. Et même ce bocal de cornichons du Jubilé de Diamant il y a 10 ans. Ils n'en ont fait que 50 des comme ça. Autant de souvenirs, même les plus incongrus, qui rapprochent Margaret Tyler de cette figure bienveillante. Comme une amie, un membre de la famille, qu'elle approche dès qu'elle en a l'occasion, à qui elle écrit, comme lors du décès du prince Philippe, et vers qui elle se tourne dans les moments difficiles. Quand elle sourit, pour moi, c'est comme un rayon de soleil. C'est fantastique. Elle est toujours présente pour nous. Quand elle est là, on sait qu'on est entre de bonnes mains. Quoi qu'il arrive, même des choses terribles, on sait qu'elle nous en sortira. Elisabeth II, si chère au cœur de ses sujets, qu'ils tiennent à lui dire merci. Parmi tous les événements organisés, un grand défilé festif, artistique et populaire lui rendra hommage dimanche après-midi devant Buckingham. Cette parade façon carnaval symbolisera le rôle d'Elisabeth II dans l'unité du pays. Un trait d'union entre tous ses territoires. Nous nous sommes rendus sur l'île de Wight, au sud de l'Angleterre. C'est ici, au cœur de ces paysages grandioses, qu'ont été conçus une partie des costumes du spectacle. Ils représentent les 4 nations du Royaume-Uni. Là, on a fait des licornes, car le mythe originel vient d'Écosse. Mais chacune des 4 nations britanniques est incarnée dans notre parade. L'Irlande du Nord, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Des costumes d'une dizaine de kilos sur les épaules, une chorégraphie millimétrée. Dans quelques jours, c'est devant la reine que ses habitants de l'île défileront. Là, ils s'entraînent à faire une révérence devant la tribune royale. Moi, je suis la reine. Allez, on continue, pas chasser. Les artistes sont pour la plupart amateurs, couturiers ou enseignants de profession. Mais ils ne voulaient pas rater cette occasion de se rassembler autour de leur souveraine.
Il y a quelques nouvelles personnes dans le défilé, alors c'était brouillon au début, mais après ça a été. C'est une opportunité pour la reine de voir ce qu'il se passe à travers le pays, de voir tous ces groupes se réunir et ne faire qu'un dans cette parade. Pour moi, ce défilé rassemble des gens qui viennent de tous les horizons. C'est ça, l'esprit jubilé. Unir, réunir les Britanniques, voilà aussi comment Elisabeth II sert son pays depuis 70 ans. Elle en a fait la promesse avant même le début de son règne.